Je suis venu avec les nouvelles tristes de la perte, de la disparition de notre frère, M. Rossé Bamba, que je déplore, que nous condamnons avec la fermeté et nous présentons toutes nos condoléances. Plus attriste, la famille pleurait, que son âme réponde en paix, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Et ce n'est pas seulement de M. Rossé Bamba, sinon il y a plusieurs personnes qui sont mortes dans les prisons, que nous, on connaît, on a des informations, mais l'État n'a jamais présenté ça en public parce que c'est le genre que tout le monde ne le connaît pas très bien. Comme le cas de M. Lamarana Diallo, paix à son âme. Monsieur Lamarana Diallo est mort dans les prisons parce qu'ils ont emprisonné, monsieur, ils ont empoisonné, ils ont donné le poisson Monsieur Lamarana Diallo dans les prisons, que son âme répond en paix. À la même temps, Monsieur Ibrahim Assou est mort dans les prisons parce qu'ils ont empoisonné Monsieur Ibrahim Assou. Ceux qui n'étaient pas au courant, je vais vous informer que son âme répond en paix. Et Monsieur Elazi Ibrahim Assou de T8, je ne sais pas, T6 ou bien T8, nous tous, on a vu le vieux a perdu, ils ont bastonné, maltraité le vieux, il est mort dans les prisons, c'est le corps-là qu'ils ont envoyé dans, à Niassine avec la démagogie. Donc, je ne sais pas nous où on va en Guinée, et il y a plus de 10 à 15 personnes qu'on peut vous citer, c'est qu'ils sont empoisonnés dans les prisons. Donc, ça, il faut que ça s'arrête dans notre pays. Donc, maintenant, si nous, en Guinée, on voulait pouvoir total à une personne, on voulait parti unique dans notre pays, on voulait monopoliser tout, fabriquer un petit dieu dans notre pays, c'est extrêmement grave que nous nous condamnons. Maintenant, normalement, dans un pays, s'il n'y a pas de l'opposition, cela veut dire que ce n'est pas un pays démocrate. C'est un pays qui est décrédibilité totalement. Parce que quand on dit la démocratie, parce qu'il y a des concurrences. La preuve est en elle. Et tout le monde qui est là, tous les Guinéens qui est là, avant, il y a des Sotaligui et Talifons. Remarquez très bien. Avant, c'est la Sotaligui qui est en Guinée. Les pistes de Sotaligui, on a accepté des pistes de Sotaligui jusqu'à 5 millions de francs guinéens. Les pistes de Sotaligui. Tout le monde est au courant de ça. Moi, faux de Diakité, j'ai accepté des pistes de Sotaligui. Ça m'a coûté 3 500 francs, 3 500 000 francs guinéens en 2007. Pardon, en 2006, pardon. 2006, 3 500 000 francs guinéens. Pistes de Sotaligui. Maintenant, dès que Ariba est venu, dès que Orange est venu, Célécom est venu, la concurrence là, ça facilite la tâche des populations guinéennes d'avoir facilement de communiquer avec leur famille. Et donc, c'est le moment là que c'est Ariba qui a donné puce gratuitement au peuple guinéen. C'est un exemple que je vais vous donner. C'est pas la même chose avec la vie humaine. Mais vous allez m'excuser, mais les gens qui ne comprennent pas, il faut que vous compreniez maintenant pourquoi aujourd'hui les puces de téléphonique, c'est gratuitement dans notre pays, ou bien c'est 5 000 francs guinéens, parce qu'il y a la concurrence. Maintenant, c'est nous, si c'est parti unique, on fabriquait une personne dictateur, un petit dieu dictateur, parti unique, que personne ne peut pas parler, personne n'ose pas dénoncer. Personne n'a pas de droit d'expression. Personne n'a pas de droit d'exercer son conviction politique, sa conviction politique, ou bien socialement, culturellement, religieusement. Cela veut dire que c'est extrêmement dangereux dans un pays. Donc, ça va bloquer beaucoup de choses dans notre pays. Donc, parce que ça, c'est très condamnable. Avec les fermetés, pour empoisonner les prisonniers, surtout les prisonniers politiques. Quelqu'un qui n'a pas attaqué, c'est pas un bandit ni rien, seulement il a une conviction
Et à cause de sa conviction politique, parce qu'il a une conviction, il pensait autrement, différent que ce que toi tu penses que lui va penser, parce qu'il appartient politique. Son appartenant politique n'a pas la même chose que ce que toi tu penses. À cause de ça, tu vas empoissonner quelqu'un. Parce que M. Rossi Bamba a été empoissonné. Il est rentré dans les prisons le 10 septembre passé. Il a fait un mois dans les prisons. C'est le moment là qu'ils sont donné le poisson. Ils ont empoisonné M. Rossi Bamba. Mais le empoisonnement qu'ils ont donné M. Rezo Bamba et M. Rossi Bamba, ils ont donné le poisson. Mais le poisson là, pour pas tirer sur le sang. Ça va tuer petit à petit. Le durée, c'est quelques mois. Raison pour laquelle M. Rossi Bamba a été poissonné. Ils ont donné le poisson à M. Rossi Bamba. Ils ont tué M. Rossi Bamba. Maintenant, comment? Ils sont au courant que M. Rossi Bamba va mourir. Et depuis, ça reste quelques heures. Parce qu'ils savent que c'est quel poisson qu'ils ont donné à Rossi Bamba. Depuis, ça reste quelques mois, ou bien quelques jours, ou bien quelques heures. C'est le moment là qu'ils sont déportés à M. Rossi Bamba au hôpital Ignace Idine. Pour faire les amalgames sur les théâtres, sur les théâtres, opinion publique, que M. Rossi Bamba est malade dans les prisons pour aller se soigner, alors que Rossi Bamba a été empoisonné. Donc maintenant, il sait que Rossi Bamba ne peut pas survivre. Ça, c'est extrêmement dangereux. Quand nous voyons la déclaration. Quand nous voyons la déclaration de Madame Bamba, une femme diplômée sans emploi, vous allez m'excuser, on m'a appelé au téléphone. Quand nous regardons la déclaration de la femme de M. Rossi Bamba, c'est très triste. Je me mets à la place de sa femme. Si c'est ma sœur, même père, comment je vais me sentir? Donc, raison pour laquelle je donnais tout mon soutien, tout notre soutien à la famille de M. Rossi Bamba et nous demandons la justice, que la justice doit se faire, que ça se fait pour faire la justice. Parce que les enfants qui sont perdus la vie, pardon, le M. Rossi Bamba qui a perdu la vie, ses enfants, il a laissé les orphelins derrière de lui. C'est M. Rossi Bamba qui est le grand pilier de la famille. C'est lui qui nourrit la famille. C'est lui qui a la responsabilité de la famille. Maintenant, ils ont laissé la famille en deuil. J'ai endeuillé la famille. Maintenant, le orphelin est là. Et ils n'ont pas de soutenance familiale. Donc, ça, c'est pour faire la destruction familiale. Détruire la vie de M. Rossi Bamba. Détruire la vie, l'avenir de la famille de M. Rossi Bamba. Et Allahu Akbar. Ça, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, la femme n'a pas d'emploi. Elle est femme veuve. Il y a des orphelins derrière de M. Rossi Bamba. Maintenant, quelle soutenance? Qui va donner le soutien à la famille de Rossi Bamba maintenant? Banalement, sans réellement, sans motif, on le tient, on l'a empoisonné, banalement comme ça, à cause de. Une conviction politique. C'est extrêmement dangereux. Dans un pays, parce que dans un pays sauvage, la Guinée, c'est un pays sauvage. C'est la zalimocité qui c'est dans notre pays. Donc, dans un pays sauvage, c'est comme ça que ça passe. Maintenant, je vais vous informer. Monsieur Ousmane Gawal Diallo est à risque d'être empoisonné. Ils vont empoisonner M. Ousmane Gawal Diallo. Ils vont empoisonner M. Selou Baldé. Et Serif. Et Sorobogi. Et autant d'autres personnes. Jeune de Rix. Parce que qui t'a dit la même manière qu'ils sont empoisonnés, M. Rossi Bamba, pourquoi ils ne peuvent pas empoisonner d'autres prisonniers? Et maintenant, la même manière qu'ils sont empoisonnés, M. Lamara Diallo, pourquoi ils ne peuvent pas empoisonner d'autres prisonniers? La même manière qu'ils ont empoisonné M. Ibrahima Diallo, pourquoi la même manière ils ne peuvent pas empoisonner d'autres prisonniers politiques? Donc,
Raison pour laquelle on doit connaître réellement. Et maintenant, qu'est-ce que attend maintenant le Zande, les peuples guinéens dans sa globalité, dans un pays là où il n'y a pas de liberté d'expression, dans un pays là où ils n'ont pas de droit de penser, ils n'ont pas de droit de libérer, ils n'ont pas de droit d'exprimer ce que toi tu penses, ils n'ont pas de droit de convictions politiques, ou bien convictions sociales, ou bien convictions culturelles, ou bien convictions religieuses. Comment on peut vivre dans ça? Parce que tout est privatisé dans notre pays. C'est l'intimidation. Quand tu parles, on paye quelqu'un pour aller t'éliminer. Quand tu parles, on va te kidnapper pour t'emprisonner dans les prisons. On va te donner les poisons. On va t'empoisonner dans les prisons. Au lieu de teaser, donner les preuves pourquoi tu étais arrêté. Monsieur Doura Bari, Alassane Doura Bari, l'opérateur économique de la Guinée, parce qu'il pensait que c'est Doura Bari qui finance IFDC, c'est à cause des gens qui sont assassinés, ils ont payé les gens pour aller assassiner Monsieur Alassane Doura Bari. Donc, la même chose qui va passer, je ne le souhaitais pas, Alassane Salwa Baldé. La même chose qui va des présidents de Gouas, Abdallah Sérif. Si il était en Guinée. Hein? Donc tous les opérateurs économiques, ils pensaient que ce qu'ils pensent, ils pensaient que c'est eux qui vont financer IFDC pour que IFDC va avoir des pouvoirs, va avoir des poids, mais ils vont emprisonner tout, ou bien ils vont empoisonner tout, ou bien ils vont payer quelqu'un pour aller s'éliminer un à un. À cause de quoi? À cause de ces pouvoirs-là. Rien n'est éternel. Il y a toutes les sources, il y a un commencement, il y a un fin. Donc, Doura Bari, Monsieur Bari, Elazi Bari, qui a été kidnappé après, ils ont assassiné, et fait l'enterrement vers, si je ne suis pas trompé, vers Liberka. Donc, parce que c'est le complot. C'est le complot. Ça, c'est. Il est en train de, à longueur de la journée, au moins plus de 200 personnes sont mortes dans les prisons, torturation à mort. On ne peut pas dire ça en public. Le ZAN, il faut qu'on demande organisation nationale, internationale, pour faire investigation de ce gouvernement dictateur. Nous demandons humblement. Nous demandons humblement, organisation nationale, organisation internationale, avec tous les ambassadeurs et ambassadrices accrédités dans notre pays, pour faire une investigation profonde pour la situation de notre pays. Parce que Alpha Condé est en train d'assassiner tous les Guinéens avec son clan mafieux de terroristes. Le ZAN dans les prisons. Le sang qu'ils ont dans les prisons, ils sont en train d'empoisonner les gens. Si tu es dans les prisons, tu sors, tu ne peux pas dire, ils vont te tuer. Tu vas mourir. Tu es dans les prisons il y a de quelques mois, donc ton espérance de vie, dès que tu as été arrêté dans notre pays, dès qu'on t'a arrêté dans notre pays, ton espérance de vie est diminuée. Parce qu'ils vont t'empoisonner, tu vas mourir petit à petit, rapidement. Donc, d'ici quelques mois ou bien d'ici maximum un an, ils vont dire ah, telle personne est mort. Il était dans les prisons parce qu'ils sont empoisonnés depuis dans les prisons. Ça, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est quel gouvernement bananier que nous vivons? Quel gouvernement bananier que nous vivons? Je déplore. Donc, ça c'est regrettable. Partager un pays avec ces clans mafieux, c'est très regrettable. Vraiment, que nous ne nous attendons pas avec ces manières. Vraiment, c'est très triste la situation de notre pays. Avec tous ces baribari, moi, ça des listes, j'ai des preuves que je vais donner. Comment le prisonnier est en prison, j'ai des rapports, plus de 200 passes. Moi, j'ai des rapports. Plus de 200 passes. Tout ça là, A à Z, toutes les citations de notre pays,
tous les quatre côtés, quatre régions naturelles de la Guinée, tous les 33 préfectures de la Guinée et sous-préfectures, le rapport de barbarie qui rendrait le passé un à un, le sang, comment ils ont été morts, comment ils sont morts et comment ils ont été, avec même les photos, avec les vidéos. J'ai plus de 200 passes. Tout ça là, rapport officiel, sans manipulation. Où on va? Où on va? Où on va? Est-ce qu'avec dans ça, qui va porter confiance à la Guinée? Avec dans ça, quelle organisation, quelle image la Guinée peut avoir au international, aux zones internationales? Avec tous ces barbaries, avec tous ces mafias-là, quelle prospérité la Guinée peut avoir? C'est impossible que la Guinée peut avoir prospérité dans ça. La Guinée, pourquoi tous les aînés sont en train de se fuir, abandonner la Guinée? Pourquoi tous les aînés, la Guinée c'est 13 millions et quelques habitants, aujourd'hui la Guinée c'est 6 millions. Plus 6 millions et quelques, et la Guinée, 6 millions et quelques qui est en étranger. Comment vous pouvez comprendre? Dans un pays, la moitié de ce pays va aller en immigration. Pourquoi ça? Et on doit poser des questions, on doit analyser. Plus de 13 millions d'habitants, immigration, c'est plus de 5 millions et quelques, c'est 6 millions de personnes guinéennes qui est en étranger, en immigration. Comment vous pouvez comprendre ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui a causé ça? Presque la moitié de la population guinéenne qui se fuit de la Guinée à cause de mal gouvernance, à cause de la dictature, à cause de la terrorisation des populations, avec la oppression de ces paisibles populations, et tout ça, là, ils ont abandonné la Guinée. Ça, c'est pas normal. On peut comprendre, certains peuvent aller émigrer, mais c'est pas la moitié de la population. Maintenant, la moitié de la population guinéenne est en étranger. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans notre pays. Parce qu'il y a l'insécurité, il y a tous les malheurs dans notre pays. Donc, est-ce que ça, c'est pas une fierté pour nous? Ça, c'est pas une fierté pour l'État? Ça, c'est la humiliation de l'État. Ça, c'est l'humiliation de notre pays. En même temps, Alpha Condé a autorisé tout ambassadeur accrédité en Europe pour rapatrier les Guinéens. Allemagne, ils ont rapatrié plus de 75 personnes d'abord, sans papier. Allemagne, ils ont rapatrié plus de 75 personnes d'abord, sans papier. Ceux qu'ils ont rapatrié en Allemagne, sans compter en Espagne, sans compter en France ou bien en Belgique, en coulisses, donc dans le silence. L'État ne parle pas ça. Il faut qu'on prenne les mesures légales avec ces situations, avec tous les différents ambassadeurs accrédités en Europe et en Asie et en États-Unis d'Amérique. Parce que ça, c'est pas normal. Il faut qu'on prenne les mesures. On ne peut pas laisser comme ça. Alpha Condé a dit que lui, il a des travail en Guinée. Quel travail, lui, il a? Chaque jour, c'est la oppression. Chaque jour, c'est l'intimidation. Chaque jour, on va empoisonner les populations. Chaque jour, on va abastonner, on va torturer à mort les gens. Moi, si je fais quelque chose qui va contre la loi, à rencontre de la loi, qui va créer l'ordre public, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais convoquer, mais envoyer une convocation, après je vais aller répondre. Après, ils doivent me juger. Parce que d'abord, il y a quelqu'un qui font me faire la diffamation. Il doit me juger d'abord. Pourquoi Diakité tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Donc, je dois donner la certification. Maintenant, si c'est mérité être en prison, je dois être en prison. Si ça doit être libéré avec une condition, avec une amende, on me libère avec une amende. Ou bien, mais ce n'est pas pour aller me empoisonner dans des prisons. Ce n'est pas pour aller me torturer. À mort. C'est pas prêt payer un groupe bandit pour aller me éliminer, c'est pas comme ça. Dans un pays normal, ça ne fonctionne pas. Dans le monde moderne, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est nous, c'est tout le contraire. Je dis dans la dernière main.
Dieu demande. Dans le monde moderne, ça se fait pas comme ça. Dans un pays démocratique, là où il y a des états de droit, ça ne se fait pas comme ça. Mais notre pays, c'est très pitoyable. C'est très pitoyable. Les gens perdent la vie banalement. La vie guinéenne n'a pas valeur. La vie guinéenne dévalorisée complètement. Aucune guinéenne a de valeur. La vie guinéenne est totalement dévalorisée. C'est extrêmement dangereux. Hein? Nous sommes dans une situation très dangereuse. Moi, je connais un cas. Voilà. Vous allez m'excuser parce que je dois boire de l'eau parce que ça me fait nerf, ça me fait mal au cœur. Je suis très nerveux. Je suis en triste. Je suis en deuil. Solidarisé avec la famille victime. Parce que beaucoup de familles victimes qui sont en Guinée, ce n'est pas une seule personne seulement. Il y a beaucoup de familles qui sont victimes dans notre pays. Il y a beaucoup de familles qui sont en deuil, il y a beaucoup de familles qui sont victimes, injustement. Aujourd'hui, nous parlons de M. Rossé Bamba parce que c'est lui qui a décédé aujourd'hui. Mais il y a combien de personnes qui ont perdu la vie banalement comme ça, sans aucun motif? Il y a combien de personnes? C'est extrêmement dangereux. Et donc, vraiment, je n'en comprends pas. Et pourquoi tout ça là? Si certains entre vous voulaient intervenir, je vous invite. Chacun et chacun entre vous, quiconque voulait intervenir, écris-moi, appelle-moi. Je vais vous appeler. Quiconque voulait intervenir, vous allez écrire, appelle-moi. Donc, je vais vous appeler tout, la personne qui voulait intervenir. Mais ça, c'est extrêmement triste. C'est extrêmement dangereux. La situation de la Guinée, c'est dangereux. Il faut qu'on prenne les mesures, il faut qu'on prenne une détermination, un courage. Et quand nous regardons le Rwanda, Rwanda, après 800 000 morts, après 800 000 morts, maintenant ils ont eu un terrain d'entente, ils ont ordonné pour mettre en place un état de droit. Parce que, avec cette situation, on ne peut pas continuer.